Ils ont décidé de construire une église. D'abord, ils ont été obligés de construire une île. La construction de l'île a duré plus de 2 siècles. L'église et l'île ont été complètement finies et ouvertes pour les pèlerins en 1630. Pour construire l'île, ils ont été obligés de mettre les grands cailloux autour de ce rocher où deux pêcheurs ont trouvé cette icône. La Vierge Marie est une sainte très importante pour tous les Monténégrins, chrétiens catholiques ou chrétiens orthodoxes. Il s'agit d'une sainte qui protège les marins, les pêcheurs, les navigateurs. Et à cette époque où l'église a été construite, les habitants de cette région vivaient de la navigation, de la marine et de la pêche. La vérité est qu'ils ont vraiment trouvé cette icône miraculeuse. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé avec cette icône, mais la légende, quand il s'agit de la légende, c'est que le frère a guéri, que les autres gens ont guéri et qu'elle disparaît, qu'elle se montrait dans les autres villages dans la baie de Kotor. Les Monténégrins sont très croyants et on aime bien croire à la puissance des saints, de Jésus, de la Vierge Marie. Les habitants de cette région viennent en petits bateaux, ils se suivent, ils sont accompagnés par la musique traditionnelle, ils jettent les cailloux autour de rochers pour ne pas oublier cette légende de la construction et la raison d'avoir construit cette petite île et église.